Je suis un administratif et c'est pour nous une occasion vraiment unique d'être sur le réseau et de soutenir nos chauffeurs. Le réseau bus a vraiment beaucoup changé, a rendu beaucoup mieux desservi et donc les usagers, enfin une grande partie des usagers, va quand même être un peu déconcertés. C'est utile pour les clients en fait, pour une catégorie de clients, donc les personnes âgées. Eux, ils ont besoin d'un contact humain pour bien leur expliquer les changements de ligne en général et donc les directions et tout, apprendre, tout ça c'est très important. Je dirais que les gens sont assez bien informés, donc tous les gens qu'on a rencontrés, il y en avait peu qui découvraient que le réseau avait changé. Alors il faut dire qu'il y avait pas mal de pensionnés, etc. Au centre des Verts. Et qui était assez content. Donc comme un client m'a dit, il y en a que ça arrange, il y en a que ça arrange moins, mais tout le monde était assez compréhensif et avait assez bien compris les changements. Place de la Paix, aucun souci, le 64, comme d'habitude pour vous. Bah, écoutez, un peu de lecture comme ça. Le 64 est limité à Bordeaux. Et 65 reprend entre autres itinéraires plus. Moi je vais plutôt vers eux, je leur demande s'ils sont au courant des changements. La plupart me disent oui, ce à quoi je m'attendais, mais surprise, quelques-uns aussi n'étaient pas au courant. Mais le fait de communiquer, d'avoir des flyers détaillés qui expliquent voilà, les changements, ben voilà. Pour quelque chose de nouveau, il faut toujours un petit temps d'adaptation. Donc voilà, je pense qu'ils réagissent assez bien. Pour la communication, en tant que chauffeur, parfois on n'a pas nécessairement le temps de communiquer ça convenablement. Et voilà, donc c'est un plus. C'était une chouette expérience, très, très agréable et des bonnes discussions avec les clients qui sont relativement contents et comme je le disais, très informés.